Je voulais juste aujourd'hui raconter une des premières prières des malades. On en lit l'histoire dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 1, verset 40. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie, et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà ce lépreux qui prie, la prière d'un malade, comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire prier ? Ça veut dire demander avec amour. C'est une forme, une manière de parler et prier, avec une grande délicatesse, une grande politesse. Ce que l'on dit encore, hein, je vous en prie. Faites comme vous voulez. Mais j'interpelle votre volonté libre, je ne veux pas vous forcer, je vous invite simplement à faire. Il y a quelque chose de très doux dans cette manière de parler. Ce n'est pas un ordre qu'on donne. C'est un peu « s'il te plaît, est-ce que tu ne voudrais pas faire ?» avec une reconnaissance que notre interlocuteur est quelqu'un d'important, quelqu'un à qui on donne de l'importance, quelqu'un qu'on veut respecter, qu'on ne veut pas forcer. C'est la manière de parler des gens qui s'aiment. Je t'en prie, est-ce que tu ne ferais pas ça ? C'est pas, il ne récite pas une prière, ce lépreux. Il n'y a pas des choses par cœur qu'il dit, tiens, dans ma situation, c'est la lèpre, voilà, je vais réciter ça, je vais faire telle chose. C'est une manière de parler, de s'adresser à Dieu, librement, de son côté, en laissant Dieu libre et en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et puis, il tombe à genoux. Ce n'est pas simplement une manière de parler. C'est avec son corps, et son corps, il est abîmé. La lèpre, ça attaque d'abord les extrémités. Donc, c'est quelque chose de tomber à genoux pour un lépreux. Est-ce qu'il va pouvoir se relever ? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur les mains ? Dans quel état sont ses pieds ? C'est pas rien ce qu'il fait. Et il tombe à genoux devant Jésus. On tombe à genoux que devant Dieu seul. Hein. Il reconnaît que Dieu est là. Quand on dit quelque chose d'important, on bouge toujours. On a une expression avec les mains. On engage notre corps dans ce que l'on veut exprimer à l'autre. Difficile devant un enfant de lui dire « je t'aime » sans le prendre par la main, sans le... l'embrasser, c'est pas compréhensible pour cet enfant. Les paroles les plus importantes que nous faisons, elles sont toujours liées à un geste. Et c'est pour ça que la prière aussi, les paroles que nous adressons à Dieu, on va souvent les lier à un geste, tomber à genoux, en signe d'adoration, tendre les mains vers lui. On peut faire un baiser aussi. C'est dire, j'engage tout entier mon être. Dans cette prière, je veux aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de toute ma force. Je veux être là complètement pour toi. Et puis, il parle. Et voilà sa prière. Elle n'est pas longue, hein. Si tu le veux, tu peux me purifier. La prière, c'est pas forcément très long, mais ça ouvre un dialogue. Ça invite. On reconnaît que Dieu est une personne. On ne parle pas à une énergie. On ne parle pas à une puissance, un gros bloc. On parle qu'à une personne. On reconnaît que Dieu est une personne qui est libre, qui aime. On reconnaît aussi qu'il est différent de nous. Voilà, Dieu n'est pas comme nous. Il est plus grand.
Ça veut dire qu'il sait aussi tout ce qui est bon. Ça veut dire qu'il sait toute chose. Il sait ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est important et c'est beau, cette manière de commencer la prière par dire « si tu le veux ». Il rentre dans ce que Jésus nous a donné dans la prière du Notre Père, « que ta volonté soit faite ». Ta volonté, Seigneur, c'est d'aimer. C'est un amour infini, je le reconnais. Et moi, je suis égoïste. Et puis la souffrance physique, la souffrance psychique, ça, quand j'ai mal, je me replie un peu sur moi-même, je ne vois plus que ça, j'ai mal. Il n'y a plus que ma douleur qui prime. Alors peut-être que je ne vois pas le meilleur parce que j'ai mal, parce que je pense qu'à moi. Ou si on est venu pour prier pour quelqu'un d'autre, parce que voilà, ce cousin, cet ami, ce voisin, ce collègue pour qui on prie, cet enfant, eh bien j'ai mal pour lui. Et c'est beau d'avoir mal pour quelqu'un, par amour. Mais parfois ça peut aussi nous replier un peu sur nous-mêmes. Alors je vois peut-être pas le bien le plus grand, je vois peut-être pas le meilleur, parce que je ne suis qu'un homme marqué par cet égoïsme. Et toi, Seigneur, tu le vois le plus grand, le meilleur, le plus beau. Alors si tu le veux, si tu le veux, fais selon ce que tu veux. Nous ne sommes pas dans une formule magique. Une formule magique, c'est employer une technique. Si je dis tel ou tel mot, il va automatiquement se passer telle chose. Je vais obliger Dieu à faire telle chose. Ça, c'est la magie. Vous savez, quand vous déclenchez un bouton dans un ascenseur, normalement, il se passe quelque chose et vous arrivez à l'étage. Si vous appuyez sur le bouton numéro 3, normalement, vous arrivez à l'étage numéro 3. La technique, on fait une cause et il y a une conséquence derrière. Et les hommes ont voulu appliquer la technique à Dieu, au surnaturel. Si on dit telle magie, telle formule, avec tant de bougies, en faisant telle chose, il se passera automatiquement ceci. Ben non, Dieu est une personne libre. C'est lui qui sait le bien, qui connaît le bien. Et aucune formule, aucune pratique, aucune manière de faire ne touchera son cœur. Mais notre amour touchera son cœur. Et il choisira le mieux pour nous. Et ce n'est pas forcément ce que l'on demande. Si tu le veux, tu peux me purifier. Quelle est belle cette prière, ce grand respect qu'il a de Dieu. Et il reconnaît aussi que Dieu est capable de purifier, que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est capable de tout. Il glorifie Dieu dans sa prière. Sa prière, elle est plus que respectueuse. Elle reconnaît le Tout-Puissant, Créateur et Sauveur, comme seul capable de créer, de guérir, comme celui qui me crée et qui est mon sauveur. Et alors on a la réponse de Jésus aussi dans ce texte de Marc. Jésus est saisi de pitié. C'est un peu bizarre ça, parce que Dieu est infiniment grand, infiniment bon, dans l'éternité, joyeux depuis toujours, et c'est tellement important pour lui de m'avoir créé, que je sois devant lui. C'est comme s'il était capable de quitter sa joie pour être saisi de pitié par moi, devant moi. Il ne veut pas rester indifférent à ce lépreux, à ce malade. Il y a même certains manuscrits qui, pour ce texte, disent que Jésus est en colère. Quelle est belle la colère de Jésus devant le mal. Je n'ai pas créé ce monde, je ne t'ai pas créé pour le mal. C'est important que ça soit dit. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, mais pour partager sa joie dans l'éternité, dans son royaume. La souffrance, la maladie, c'est une conséquence du mal. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Alors il se met en colère. Je n'ai pas fait tout cela pour ce résultat. Et il touche le lépreux.
Vous imaginez cet homme ? Il est lépreux, c'est-à-dire qu'il est contagieux et que plus personne ne le touche. Sa famille, sa maman le voit malade. Elle est touchée par sa maladie et sa maman ne le touche plus. Peut-être qu'il a un petit enfant de 4 ans qui se précipite vers lui, « Papa !» Et la maman le retient, « Non, tu peux plus toucher papa, tu peux plus le prendre dans ses bras. » Voilà ce qu'il vit cet homme. Et tu vas vivre en dehors du village afin d'être sûr que personne ne te touche. La première des choses que vient faire Jésus, c'est précisément le toucher. Ce contact physique, nous en avons tous besoin de cela. Nous avons tous besoin que celui qui nous aime vienne nous prendre la main. Nous avons tous besoin de ce genre de contact et c'est ce que fait Jésus. Et il est venu, il a quitté, lui, le Verbe de Dieu, il a quitté la gloire du Père pour se faire homme à Bethléem. Le Verbe fait chair et il veut que ce toucher, ce contact-là reste. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu partir et qu'il a dit « Je livre ma vie pour vous, voici mon corps livré pour vous. » Et que par l'Eucharistie, par la messe, le pain consacré devient ce corps livré pour nous parce qu'il désire profondément nous toucher. Et dans quelques instants, nous aurons sur cet autel ce corps livré pour nous, qui ne veut pas fuir nos lèpres, mais qui veut nous toucher. Et afin d'être encore plus proche, il sera dans une procession, il se fera proche de chacun d'entre nous. Alors nous sommes un peu trop nombreux pour venir tous le toucher. Mais je vous invite, dimanche prochain, à aller dans l'église la plus proche de chez vous et à participer à une Eucharistie. Et si vous êtes baptisé, catholique, à communier pour avoir ce toucher de Jésus. Parce que c'est ce qu'il veut profondément. Le lépreux ne lui a pas demandé « Viens me toucher ». Jésus le fait. Et il désire le faire avec chacun d'entre nous. Et puis, le Verbe s'est fait chair pour nous manifester la volonté de Dieu lui-même. « Je le veux, sois purifié ». Je n'ai pas voulu le mal. Ce que je veux, le cœur de miséricorde de Dieu, depuis toute éternité, ce n'est pas le mal. Je le veux, sois purifié. Voilà ce que dit le Verbe de Dieu. Alors, cette prière des malades qui a eu lieu il y a si longtemps en Palestine, en fait, nous faisons la même chose ici, ni plus ni moins. Utiliser ce grand respect envers Dieu, lui dire si tu le veux. Et puis pour certains d'entre nous, écouter sa réponse et tout partir avec cette joie, tous d'entre nous, nous avons à partir avec cette joie. Il le veut, il a purifié certains d'entre nous, pas forcément moi, mais peu importe. Il ne veut pas le mal. Et son royaume, dans son royaume, nous serons tous là, côte à côte, complètement purifiés. Quel émerveillement nous avons à avoir dans cette prière des malades. Amen.